Vielleroux 101, une production vidéo survolant l'historique et le jeu de la Vielleroux. En vous souhaitant que la Vielleroux vous permette de passer de beaux moments et réveiller en vous vos fibres musicales et la fierté de nos traditions. Une Vielleroux, ça s'appelle une Vielleroux. Une Vielleroux, c'est né quelque part autour de l'an 1000. C'est un instrument qui est né quelque part en France ou en Espagne. C'est un instrument qui est tellement vieux, on a un peu perdu la trace. Les premières images qu'on a de la Vielleroux, c'est sur le porche de la gloire. Saint-Jacques-de-Compostelle, les pèlerins s'en vont. Il y a 5 instruments gravés sur la pierre, dont la Vielleroux. La Vielleroux qui était alors un instrument beaucoup plus grand, qui était appelé l'organistrum. Et l'instrument qui a, à travers les derniers 1000 ans, changé beaucoup, voyagé énormément, qui s'est rendu un peu partout en Europe occidentale, dans la plupart des pays, sauf peut-être dans les îles britanniques où c'était moins populaire pour diverses raisons. L'instrument a passé d'instrument de musique d'église à instrument du diable, instrument au bas Moyen-Âge qui était considéré comme l'instrument du diable, ouais, des mendiants. C'était l'affaire la pire qui pouvait arriver, c'est de jouer de la Vielleroux. Voilà où j'en suis. Et puis, un peu plus tard, la reine de France s'est mise à jouer de la Vielleroux au 18e siècle. Et puis là, évidemment, les modes étant ce qu'elles sont, tout le monde s'est mis à vouloir une Vielleroux. Les compositeurs sont mis à composer pour la Vielleroux, de Boismortier à Vivaldi. Même les 4 saisons de Vivaldi ont été composées pour Vielleroux et cornemuse. Donc, il y a une espèce d'époque, on pourrait appeler l'âge d'or de la vielle entre 1700 et 1750. Cet instrument-là, donc, pour nous, c'est un instrument qui pourrait parler de nos racines de musique traditionnelle. À l'époque où les gens arrivent en Nouvelle-France, il y a peut-être quelques vielles qui ont suivi le voyage, ou il y a sûrement, en tout cas, de cette manière de jouer, de cette manière de sentir la musique et le rythme qui nous est revenu dans notre musique traditionnelle au Québec. Donc, cet instrument-là a changé de forme. La forme que j'ai ici, c'est une forme plus ou moins traditionnelle. On pourrait dire que c'est une forme de coque de luth sans la coque de luth. Donc, c'est à peu près une vielle traditionnelle. Comme celle-ci, d'ailleurs, c'est des formes qui sont standards, qu'on voit assez régulièrement. Comment ça fonctionne, cet instrument-là? C'est comme un violon, une cornemuse, un accordéon, un piano qui tombent ensemble d'un escalier. Puis ça donne quelque chose d'assez particulier. Une roue, pourquoi on appelle ça une Vielleroux? Parce qu'il y a une roue. La roue est ici. C'est un archet circulaire. La roue va frotter les cordes et les cordes vont passer à travers une boîte ici. Cette boîte-là, qu'on appelle la boîte à plumier, est l'endroit où on va pouvoir jouer les mélodies. C'est un petit clavier d'environ 2 octaves. Un clavier pratiquement comme un clavier de piano. Donc, au lieu de frapper à l'aide d'un marteau les cordes comme un piano ou de pincer comme un clavecin, c'est finalement des petites baguettes de bois qui s'en viennent s'appuyer sur les cordes, des cordes de mélodie ici, qu'on appelle, soit dit en passant, les chanterelles. C'est très joli, c'est les cordes qui chantent. Il y a d'autres cordes sur la Vielleroux. Il y a des cordes ici qui sont plus grosses, qu'on appelle les bourdons. C'est des cordes de base qui viennent un peu comme la cornemuse, garder cette espèce de note continue qui vient donner aussi le ton à l'instrument. Il y a plusieurs sortes de bourdons, plusieurs tonalités possibles. De l'autre côté de la Vielleroux, il y a ici des cordes qu'on appelle les trompettes. C'est des cordes qui vont faire actionner des petites pièces de bois, qu'on appelle les chiens. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que ça ressemble à un chien. Ce petit chien-là a la tête dans sa niche et il va venir faire une percussion. Donc, si on résume,
une roue archet qui frotte les cordes, des cordes qui passent à travers un clavier, accompagnées par des bourdons et des trompettes qui font des percussions. Tout ça, ça va faire un son assez large, tellement complet que c'est un instrument qui était d'ailleurs reconnu pour être un instrument soliste, un instrument parfait pour chanter, accompagner le chant, pour faire des marches, des mariages. C'est un instrument qui était très populaire. Il est encore populaire en France. Ici, en Amérique du Nord, c'est assez rare. Donc, pour faire entendre un peu comment ça sonne, l'instrument, si je tourne la roue, sans faire autre mouvement que ce mouvement continu, je vais avoir ce qu'on appelle des pédales, des cordes ouvertes. Quand on tourne, il faut garder ce mouvement circulaire très, très lent et fluide. Sinon, ça va faire... Il faut vraiment garder ce mouvement. Il y a à l'intérieur ici ces cordes de mélodie que je vais utiliser. Donc, pour pouvoir jouer un air de vielle à roue, je dois utiliser ces boutons. C'est un peu l'équivalent du piano. Si vous regardez en haut de l'instrument, vous allez voir finalement toutes les notes du piano. Donc, on peut se retrouver un peu, même si on ne voit pas les notes dessous, ici, toutes les petites clés, on ne les voit pas, on va les voir par au-dessus. Donc, si je veux faire une gamme de do... Bon, la percussion qu'on appelle la trompette, la corde percussive qu'on appelle la trompette, qui actionne le petit chien, c'est assez simple, même si c'est étrange comme mouvement. Ce qui est un peu complexe, c'est qu'on voit depuis qu'on est tout petit des gens gratter des guitares, des gens jouer du violon. On peut imaginer le mouvement. Le mouvement de percussion, c'est un peu plus rare. Donc, on voit à la limite quelqu'un tourner la manivelle, mais on voit plus ou moins le mouvement qui se découpe dans la main. Pour faire un coup de chien, il y a le premier coup, en descendant le cercle, on donne un coup vers le bas, avec la paume et le poignet, et un coup vers le haut, pour faire le deuxième coup. Donc le coup de 1 en bas, le coup de 2 en haut. Si on veut faire le coup de 4, 1, 2, 3, 4, c'est aux quatre coins de la paume. Donc si je tourne, et je donne un coup vers le bas, pour comprendre, il faut suivre le pouce. C'est peut-être ça qui est le plus évident. Le pouce va suivre le mouvement du poignet et vous allez le voir un peu se lancer par-dessus la manivelle. Le coup de 2. C'est joué avec une mélodie. Le coup de 1. Utiliser tous les quatre coups. Je vais faire un cercle et là, je vais donner, ça c'est assez étrange, en faisant un cercle, je vais donner quatre coups de poignet. Si vous voyez à l'intérieur de ma main, la manivelle est relativement libre de son mouvement. Je pousse davantage avec la paume et les doigts ne sont pas crispés sur la manivelle. Donc, on laisse un mouvement. Par le coup de 1. Ensuite, vous allez essayer le coup de 2. Et si vous êtes en forme, essayez tous les quatre coups. Donc, c'est en faisant ces petits mouvements de poignet, en donnant des petits coups, tout en gardant le mouvement fluide circulaire, que vous allez pouvoir découper la mélodie de vielle. Parce qu'évidemment, un clavier comme ça, en cordes frottées continues, c'est ce qu'on appelle en musique très legato. Donc, c'est tout lié, tout ça. Donc, si on veut pouvoir découper, comme un archet de violon, il faut utiliser cette percussion-là.
Donc, c'est les mélodies, chanterelles, les cordes de percussion, trompettes, et il y a aussi ces bourdons, donc les notes continues. Eux, théoriquement, on ne les joue pas. On fait seulement que les mettre sur la roue. Si j'enlève toutes les cordes, vous allez entendre seulement que le bourdon. Cette note-là, donc, vient teinter, donner le caractère de la vielle à roue. Et comme tous les instruments à bourdon, tous les instruments à bourdon ne sont pas beaucoup, là, mais la cornemuse et la vielle à roue, donc, c'est les deux grands instruments à bourdon. Il y a ici, donc, cette corde que je peux... que je pourrais jouer directement, mais traditionnellement, cette corde-là ne sert qu'à accompagner la mélodie. Gros bourdon, petit bourdon, qu'on appelle aussi la trompette, chanterelle pour la mélodie. Ensuite, il faut s'installer comme il faut. Comment moi j'installe ma vielle? En général, on s'assoit, on se met... Moi, j'aime bien avoir une jambe un peu plus basse que l'autre, de sorte que la roue, la manivelle, soit un peu plus haute que la tête de la vielle à roue. Donc, on va pouvoir se tenir à peu près comme ça. Il faut que les clés, il faut que chaque touche de la vielle à roue regarde vers le bas. Pourquoi? Parce que c'est un instrument qui n'utilise pas de ressort, mais qui utilise simplement la gravité. Si vous jouez avec le clavier comme ça vers le haut, les cordes, les touches ne retomberont pas. Donc, toutes les touches vont à côté des cordes. Et là, c'est pas jouable. Il faut vraiment que toute la vielle regarde vers le bas, de sorte que les cordes soient bien libres. On peut aussi attacher une deuxième ganse qui va passer par-dessus le cou. Je vais vous montrer ça avec une autre vielle. Donc, on prend la vielle à roue, on l'installe sur notre côté, sur notre flanc. La ganse est déjà installée dans le premier bouton à la tête de l'instrument. Ensuite, on va chercher la ganse derrière nous et on l'installe sur le deuxième bouton. On s'assoit normalement. Moi, j'aime bien baisser ma jambe gauche. Et ensuite, on est prêt à jouer. Il faut qu'on installe notre main sur la boîte à plumier, notre main gauche, notre main droite sur la poignée de la vielle à roue. Et là, on est prêt à jouer. Ici, c'est une vielle qui a un gros bourdon, un petit bourdon. Le gros bourdon est en bas en général, le petit bourdon en haut. Les deux cordes de chanterelle. Ici, les petits sautereaux ont des vis. Contrairement à l'autre vielle à roue, donc on peut les ajuster avec un petit tournevis. Et ici, il y a la trompette qui va actionner le chien et le petit bourdon. Donc, la vielle à roue est une bête fragile, une bête capricieuse. Il ne faut pas se décourager. Souvent, il y a trop de coton, pas assez de coton, trop d'arcanson, pas assez d'arcanson. C'est faux. Il faut vraiment prendre le temps de bien comprendre l'instrument. Et il faut aussi bien s'en occuper. C'est-à-dire que c'est un instrument fragile. Il ne faut pas laisser l'instrument ni au grand froid, ni au grand chaud. Il faut les mettre à l'abri, en sécurité. Si vous avez un coffre de vielle à roue, évidemment, c'est la meilleure place. On ferme la vielle, on sait qu'il n'y arrivera rien. Mais il faut éviter de laisser une vielle dans la voiture l'hiver ou même l'été. Il faut garder ça dans un endroit relativement pas trop sec, pas trop humide. En fait, on fait ce qu'on peut pour garder la vielle avec nous, en sécurité. C'est un instrument qui donne déjà assez de fil à retordre. Il ne faut pas se donner trop de défis. Donc, c'est un instrument qui doit être protégé. Souvenez-vous d'une chose, la roue. Il ne faut jamais toucher la roue. Et c'est d'ailleurs pour ça que la vielle à roue a un cache-roue pour venir protéger l'instrument. La vielle à roue, c'est un instrument qui n'est pas si populaire que ça en Amérique du Nord, encore. C'est un instrument, vous allez pouvoir trouver beaucoup d'enregistrements, aller voir sur les disques français, la compagnie de disques Modal. Il y a plein de groupes en France, des musiciens comme Gilles Chabna, comme Patrick Bouffard, Valentin Clastrier. Allez voir ces gens-là, allez voir sur Internet, trouver des trucs. Au Québec, le Vent du Nord, mon groupe, on utilise la vielle à roue, évidemment. Il y a un groupe qui s'appelait Advielle que pourra, qui a joué pendant longtemps, qui est un groupe aussi du Québec, qui est la vielle à roue. Vous allez pouvoir trouver des références un peu partout sur Internet. Si vous cherchez Hurdy Gurdy, c'est le nom en anglais, H-U-R-D-Y
G-U-R-D-Y. En anglais aussi, avec Internet, vous allez trouver plein d'autres sources. Il y a aussi un événement qui est organisé à Saint-Antoine-sur-Richelieu, pas loin d'ici d'ailleurs. Un événement de musique traditionnelle qui s'appelle Chant de vielle. C'est un festival où on laisse beaucoup de place à la vielle à roue, à la chanson, ainsi qu'au violon, à la guitare. C'est un instrument de musique acoustique. Il y a du folk, il y a du jazz, il y a de la musique baroque. Un instrument sur un événement sur 3 jours, un beau festival. On vous invite à venir. Si vous voulez rencontrer des joueurs de vielle et acheter des disques de vielle à roue et puis échanger des idées sur la vielle, c'est la place. Au Québec, peut-être en Amérique du Nord, en fait. Je ne connais pas beaucoup d'autres événements, en fait, j'en connais pas d'autres. Et puis, sinon, c'est ça. Faites vos recherches et ne désespérez pas. C'est un instrument fabuleux. C'est un instrument qui va vous amener ailleurs en musique. Et ici, avec le petit fascicule, avec la vielle que vous allez pouvoir emprunter, vous allez avoir tous les détails sur l'entretien, sur comment on l'accorde et tout. Donc, ce petit objet de référence bien utile. Il n'y a pas de Stradivarius de vielle à roue. Donc, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs manières de créer des vielles. Donc, essayez de trouver quelque chose qui vous parle. Il y a des coques de luth rondes en arrière. Il y a des vielles en forme de guitare, des vielles à colonnettes. Il y a de toutes sortes de vielles à roue. Maintenant, il y a des vielles électroacoustiques comme la mienne. Il y a des vielles qui de toutes les formes, de tous les caractères. Donc, essayez de voir encore une fois sur Internet, allez voir des photos, allez écouter des vielles à roue. Il y a des grandes traditions de vielles à roue au centre France. Si vous voulez savoir toutes les bourrées, les danses, les musiques à danser centre France, c'est hyper agréable à jouer pour les vielles à roue. Donc, allez faire des recherches, le groupe La Chavannée, par exemple. Bon, en tout cas, il y a tellement de choses à dire. On se revoit pour Vielles à roue 201. Donc, au plaisir de vous revoir et puis j'espère que vous allez tomber en amour avec la vielle à roue comme moi, ça m'est arrivé il y a 15 ans. Allez, bon plaisir. Nous remercions le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Conférence régionale des élus de la Montérégie-Est et le Forum jeunesse de la Montérégie-Est pour l'aide financière accordée dans le cadre du programme pour les arts et les lettres de la Montérégie-Est.